tube. Il a percé le mystère de l'origine de la vie. Il a vu le tableau de Rembrandt juste en face de lui. Ah, il a vu le gros jaloux. Il va nous mettre la bague dans le cul. Allez. Hop. You need something? Nope, thank you. Ça devrait aller. Elle est où le gros jaloux là? Pareil, il va nous mal parler maintenant. Ah, il est là. This is Corporal Saint John. What's up, Captain? We need you to head back to command. Stat. Meet me at the infirmary. The infirmary? What's wrong? There's been an incident. I'm on my way. Okay, what the hell? Lieutenant Whitaker, are you there? Sarah? Come in, Sarah! Fuck. Ok les gars, ça tease, mais je vais prendre 5 minutes de pause. 5 petites minutes, j'ai envie d'aller aux toilettes, d'aller chercher un truc à grailler, etc. etc. Je reviens. Désolé, je vous fais attendre. Hop. Allez, à tout de suite. Ah, dans 5 petites minutes. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir ce qui se passe dans l'infirmerie. Quelqu'un est blessé, apparemment. Est-ce que c'est Sarah? Allons voir ça tout de suite. Go. Hey, what's going on? Captain? Dr. Jimenez has been murdered. Son of a bitch. Jesus Christ. Slit his throat from here to Where's here. Where's Taylor? Did Taylor see anything? All the narcotics in the camp are gone. Taylor. C'est ce petit fils de pute. This one's on me. I assigned him to the infirmary. No, that's not what I'm saying. I'm saying Taylor was a junkie. You knew? It doesn't matter. Anymore. Petit fils de chien. Ah lui, je vais le niquer. On le sauve, il le traite et il le tue. Je vais lui niquer sa mère. Quel bâtard. Petit con là. Le sentait pas lui. On ouvrait trop sa bouche. Day, as the sun sets on this island, it also sets on the life of a great man, Captain Arturo Jimenez, Doc to many of you, is gone, taken from us on the eve of our great victory. Captain Jimenez was murdered, slaughtered, his life ripped from him. His blood, even now, soaks the tent where he toiled, hour after hour. C'est le petit con là qui s'est fait couper l'oreille là et qui parlait beaucoup là. Qui se foutait de notre gueule en mode ah c'est t'as un nom de pêcheur ou je sais pas quoi. Qui a tué le docteur qui lui était giga sympa. C'est notre bro. On va le retrouver cet enculé. Parce que c'est un drogué et que. Et du coup il a pris tous les narcotiques de l'infirmerie et il a tué le docteur pour ça. Déjà qu'on l'a aidé tout à l'heure. Parce que justement il voulait se droguer, il était tombé sur des. Et tombé sur des mecs qui lui ont coupé l'oreille.
On l'a ramené. Il gardait l'infirmerie. Le docteur l'a rafistolé. Et c'est comme ça qu'il le remercie. Petit connard là. Ça va voir. Bon, qu'est-ce que... Allez. Ils vont nous donner la mission de le choper, vous inquiétez pas. Ah, je lui ai coupé, plein de trucs. J'ai coupé la langue, la bite, les oreilles, tous les doigts. T'inquiète pas. Après, je lui ragrafe les oreilles et je les réarrache derrière. Je lui fais des implants et je réarrache tout. Il va les perdre plusieurs fois. Et oui, il y en a là-dedans. Hop là. Ah, on est extrême, on est extrême. Mais les choses bien, on les fait pas. Hein. Ok, bon, ça va un peu loin. Oh, t'inquiète pas qu'on va te le ramener en vie. Tu vas pouvoir le pendre autant que tu veux. Oula. Il lag. Je vais pas être pendu. Eh ben, tu vas voir. Ah, il l'a chopé ? Cet endroit là. Ah mais il y a un petit voilà, c'est bien ça. Un petit lynchage public. Captain Curry, hit the Diamond Lake outpost, I assume. Copy that. Oh, always had trouble concentrating. Cup, shut the hell up. I gotta kill them all. Every last one of these mountains, sons of bitches. Cover! You've got armor! There's one. I gotta finish this. No! Gotta stop making something. Stand down! Allez hop, des coups de pioche. Eh ho. Une pioche dans le ciboulot. C'est la nouvelle version. Hop. Eh ho. Une pioche dans le ciboulot. Eh oh. Allez hop. Ça c'est fait. Imagine il meurt d'un zombie. Ah non, attends. Hop. Reste là, toi.
Ok, t'as eu ta réponse. C'est une bonne variante, merci. Pierre. Ok, bon, au moins on sait où est le... Où se trouve notre ami le bunker. Hop. Next. Ouais, allez hop. On est reparti pour un tour. Et oh. Et oh. T'es où l'autre? Hop. Et oh. Hop là. Ouh, le petit bâton. C'est pas du bien ça. Et le dernier, je l'ai vu, il est là-bas. Oh! Fais là, toi. Hop! De pute. Une pioche pour toi, désolé. Oui, on l'a vu en plus. Il est là-bas. Here it is. Allez hop, le petit bâton. On pourra plus faire EO, mais on va pouvoir faire ceci, c'est déjà pas mal. Allez. Voilà, on sait déjà quoi la... On sait déjà la gueule que va avoir la VOD. Hein. Un petit nain de jardin à la place de ma tronche. Et le tour est joué. Allez, qu'est-ce qu'on débloque? Les bombes de proximité. Ah, pas mal ça. Ça peut être bien ça pour les hordes justement. J'ai bien fait. Allez, on va appeler Boozer. Bombe télécommandée, bombe de proximité, cap d'allumage. Ok. Allez, on monte. Dans ce sens là ce serait mieux. On va appeler Boozer. Et ensuite on va aller choper notre enculé là. Et on va le lyncher en public. Ah oui, Clarissa c'est très très bien. C'est une des meilleures farmeuses. Et en plus ça peut être utile pour la Wyvern. Très bon toi. Allez, appelons Boozer. Boozer, it's Deacon. Come back. Lost Lake Camp. Is anyone there? Deke, is that you? I can barely hear you. You're cutting out. Where the hell are you? Crater Lake, believe it or not. Hey, I. It's good to hear from you again, brother. I thought maybe you were heading back. No, Boozer, not yet. It's it's complicated. Look, I'm sort of checking in, see how, you know, how everything's going. Good, good, Deke. Things are going good. You'll never guess who the old man put in charge of security. Wait, you? Yeah, you got it. Guess you figured, you know, with only one arm, I can only cause half as much trouble. Yeah, like I said, I just wanted to check in. Yeah, it was good to hear. C'est mignon. Ok, alors il est où l'autre enfoiré là? Il est là-bas. Ok, ça va. Pas très loin.
Ah, on a quasiment découvert toute la map déjà. Hein. Ok, il s'est réfugié dans les montagnes. On va aller le choper. On va le prendre, on va le retourner. On va lui couper les deux, l'oreille qui lui reste. Et on verra après ce qu'on en fait. Pourquoi il a l'air gêné ton perso? Parce qu'il aime pas... Il a une relation chelou avec son pote. Ils veulent pas se dire qu'ils se kiffent quoi. Alors ils sont en mode « Oh c'est moi le gros dur, non c'est toi le gros dur, ah non c'est moi le gros dur. » Voilà. Quoi le genre. Ils veulent pas se dire « Je t'aime. » Casse-toi de ma moto toi. Ah je te scie la gueule. Oula. Voilà. Cette bromance. C'est une bromance incomplète. Ils veulent pas s'avouer leurs sentiments. En vrai, skiff. Et une fois au chalet. Non, ça on sait pas. Allez, 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 allez. Ah oui, j'ai terminé vite fait, bien fait ce truc là, et puis j'ai arrêté de le faire, j'ai pris les trucs qui m'intéressaient. Et après, c'est ciao. Ça glisse, c'est vrai. Quand il pleut, faire attention. La PS4 a un peu de mal hein, parfois quand même. Ouh, il y a des nids partout là. Allez, on va le choper. Ah non, c'est pas qu'il faut que t'essayes, c'est qu'il faut que tu aies. Il faut que tu arrives jusqu'à Sol. T'as encore le temps, hein. Just do it. Allez, on va te choper, toi. What do we got? You're mine now. Tu vas voir, toi, petit enculé. Je parlais pas de lui, hein. Je parlais de l'autre. J'espère qu'il est vivant. Ah, mais il s'est trouvé des potes. Viser. Hop. Un petit coup de scie. Hop. Petit coup de scie. Hop là. Allez hop.
Trop tôt. Trop tard, mon gars. Hop là. Rien du tout. Je vais te mettre une bonne coup de. Voilà. C'est celui-là. C'est qui et qu'est-ce qui lui arrive? Il est shooté. Taylor. Is Deacon St. John? How are we doing, Taylor? That fucked up, man. I didn't mean to kill him, man. You weren't supposed to be there. I... Doc was a good guy, man. He fucking helped me. He helped me. Come on, get up. No. I don't want to hang, man. I don't want to hang. I don't want to hang. You kick and you kick Wade. And you shit yourself, all those fucks standing at attention. And they're laughing at you. They're laughing at you. I don't wanna. C'est pas que tu es un mec, hein. Une petite overdose. St. John. In here. Overdose. Moi je l'aurais pas accordé, hein. Tu as un docteur innocent super important, tout ça pour avoir de la drogue. Bon, je l'aurais pas pendu, mais je l'aurais emprisonné, hein. I don't care what a man's done. We never leave him for the freaks. I can tell you right now. Colonel's not going to be happy about this. Colonel va pas être satisfait, il aura pas passé la corde. C'est un peu un sadique, on va pas se le cacher. D'ailleurs, il devrait me pendre, j'ai forniqué. Ah non, on est mariés, c'est pas de la fornication. Alors.
Ouf. Allez, la bague de... Par contre, ça s'explique toujours pas pourquoi lui, il a la bague. Hein. Well, when we found him, he was already dead. Overdosed. We recovered most of the drugs, not all. As if the world hasn't seen enough corruption and decay. As if the world isn't already filled to overflowing with mindless, soulless creatures. Take these to the infirmary. And this time, assign someone who isn't a goddamn junkie. Yes, sir. Il est pas content. En tout cas, lui, il viendra plus nous emmerder. Allez. Point de compétence. La viande. Déjà que c'est facile. On va pas en plus mettre les ennemis en surveillance. Tac tac tac. C'est bien. On va pouvoir mettre plus de... Voilà, on peut faire jusqu'à 6 molotov maintenant. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donner une mission. On peut rouler. Attendre un peu. Hop là, je passe à travers. Allez, les missions, s'il vous plaît. Oh putain. J'attends qu'on me contacte. Passe quelque chose. Allez. Oh my god. Bon alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Je sorte carrément pour avoir droit à une mission. Quand ils veulent. Allez, ouais. Allez, les missions, s'il vous plaît. Gueule-toi. C'est quoi? You were saying... Deacon, are you there? Deacon and Sarah need to talk to you. Yeah, hey, I'm here. You sound kind of cheerful. I've had a breakthrough. Look, all I needed was that DNA sequencer. I'm ready to test it. Deacon, I'm ready to test my serum. Wow. Okay. What do you need from me? I'll tell you when you get here. Sarah out. Allez, let's go. Voilà.
Là, on va commencer à faire des trucs intéressants liés aux zombies. C'est bon, il y en a marre des humains. On peut voir des zombies. C'est quand même ouf qu'ils nous montrent pas autant de... tant que ça des hordes alors que c'est le l'intérêt numéro 1 de leur jeu. Je pige pas trop. Ouais, c'était la hurleuse. Elle rameute des vampires, j'allais dire. Des zombies et elle te fait tourner la tête. Move your ass! Allez, allez, allez. Des vampires. Allez, rejoignons notre meuf. Et ça, c'est la poubelle en fait. Et après, ils font tout cramer. Allez, let's go. You want one alive? Kind of hard to run tests on something dead. Here. What is that? It's a special tranquilizer. It'll help you knock it out long enough so you can bring it back here. I'm so close, Deacon. This could be it. Ok, bon allez, on va aller on va en choper un et on va le lui ramener. Ça peut mal tourner ce truc. Poser des pièges. Ouais, faut poser des pièges. Deacon, come in. Ah, c'est bien, ils me font sortir direct. Hey, I was just heading out to find you in Hood. Great. Okay, there's a specific one that I need, all right? Oh wait, hold on for a second. A specific newt? South of here, just off Rim Drive, is an old resort cabin. It's now home to an entire colony of infected kitten. Newts. Okay. Okay, so radio me when you get there. Sarah out. Colony of newts. Oh my god, the psycho. Okay, super, on va affronter une horde d'enfants. Hey, I'm on a run for Lieutenant Whitaker, so I'm kind of busy at the moment. Understood. Report to me when you're finished. We're ready to test Beaver's weapon. Hurry up. Shit. Well, so much for Sarah beating Weaver to the finish line. Ah, c'est pas grave, ils vont pas tout vous faire cramer d'un coup. Hein. Alright, you're looking for a young female wearing a red shirt. One of those kids' shirts that says like Teensy Tabby or something. I'm surprised the colonel hasn't burned this place out yet. I told Matt the site was hands off. I've been running blood tests on several of the youngest ones for months. I need them for the serum. Okay, how am I supposed to get the one that you want without killing the rest? Look, I don't know, just do what you have to do, okay? I need the female wearing the red shirt. Laisse-toi de là, c'est le putain de Gollum là. Moi je les appelle les Gollums ceux-là. C'est elle qu'il me faut. Tranquillisant. Bon là je peux la prendre. Hein, faut tous que je les bute. Hop là. Bonne arme.
Va te doucher et te laver les dents. Il en reste. De toute façon, je vais rentrer à l'intérieur. Il y a des. Où est-ce qu'ils sont ces petits connards? Ah, ils sont sur le toit. Ok. Oui, ce sera sûrement les mêmes médailles. Les mêmes médailles. Eno. Normalement, il n'y a que 3 monnaies. Pense, hein. Normalement, il n'y a que 3 monnaies, mais. Faudrait que je grimpe. Est-ce qu'ils sont ces deux petits connards là? Si. Voilà. Maintenant, on peut récupérer saloperie. Normalement, c'est la même, hein. Elle devrait être réaccessible lors de la quatrième semaine. Donc je dis pas celui-là mais l'autre, le prochain. À la limite, ouais, tu peux prendre un peu d'avance. Allez, on l'amène. C'est dommage, tous ces chargements, ça gâche un peu l'action. Ouais, on sait jamais si ça fait de l'avance. Au pire, tu les utiliseras pour le tournament facile. Pour le finir, puis voilà. On prend pas trop d'avance quand même, sait-on jamais. Passe une autre version. Mais je vois pas pourquoi il ferait ça. Allez, putain, on a rien fait de spécial. T'as déjà tout fait? T'as tout clean? Pourquoi t'as fait ça? Oh, fucking Jesus Christ. Hey, Captain, pistol over my bike. The colonel doesn't allow for pets on the island, I'm afraid. Lieutenant needed a live test subject. You two seem to be getting along well. You and Lieutenant Whitaker? Just doing my job, sir. You'll keep it professional, Corporal. The colonel doesn't allow for fraternization between enlisted men and officers. Oh, no, no. It can't have any of that, sir. Right. Gary, fair. Yes, sir. Ouais, en effet, mais bon, c'est tellement pas worse. Moi, j'ai juste pris les artefacts, enfin les trucs, les charmes d'artefacts, puis basta. Hein. Come on, help me. Come on. So
want me to do? I can't get the right dosage. Here, hold on, hold on. This is what I've been working on. How long? Hold on, just a few seconds. Ah, dégueulasse, là. Ça a marché. Well, I don't know what you put in that. That shit went down fast. Damn it! But you're not making a bioweapon. You're. Oh my God! Are you trying to cure it? I thought that once I got the original cell line from Cloverdale that I could create antibodies for the virus and I could reverse engineer it. Jesus. And now all of that work, everything that I have worked on is for nothing. I can't save them. Nothing's gonna be able to change them back. Eh oui, t'as vu leur gueule. So get up, dust yourself off, try again. Were you not seeing what just happened? Every cell in that kid's body just exploded. That's exactly why you can't quit. What? Because you called it a kid. Do you have any idea how many of these things that I've killed? And it never once occurred to me, you know what, that used to be someone's kid. You know, I met this girl once. And she used to talk about the freakers the same way you do. She used to call them sick people. I thought that was crazy, but she looks at them the same way you do. So you think I'm crazy? No, no. I think you're the first sane person I've seen in 2 years. You know, I still remember the night that I lost you, but I'm starting to realize it wasn't the night that I had left you on that chopper. It was the next night. Me and Boozer, we rode into that refugee camp that you were supposed to be waiting at, right? Except there's freakers everywhere. The choppers are on fire. There's people screaming. So many people. And so we fought, and we won. And what did we get? Bodies. Bodies everywhere. And I checked every corpse, every face. There must have been 1,000 of them, maybe more. I checked every single one. That was the night that I lost you. And Boozer... Boozer, you know, he was just trying to keep me together for the next 2 years. But I didn't give a shit about any of it. And then I see this Nero chopper flying around in the sky and I start to feel something. I'm thinking, you know what? Fuck you. Fuck you. Because even if she is alive, you know what I'm gonna do? I'm gonna find her, we're gonna ride away, we're never gonna look back. Because I don't wanna be part of some militia. I don't wanna fight in a war and I don't wanna live in some camp. So why are you still here? Because of you. All of this, seeing how hard you work, seeing how dedicated you are. Most people out there, they're just trying to survive, and here you are. Trying to save the goddamn world. Yeah, well, I'm not doing a very good job. So you get up, you dust yourself off, and you try again. We're going back to Cloverdale. They got better equipment. We're going to dig into their research deeper. Do that. You would help me. Yeah, I would. I would because you believe in this. Don't give up. We'll ride north. Yeah, we'll ride north. We'll tell them that we're going on a supply run. Yeah, but we're not coming back. No, we're gonna go AWOL. You know, if they catch us, they will hang us. Then we hang together. Ma'am? Yeah. Deke, Colonel wants to see you. Be right there. Pack up what you need, I'll be back.
Thank you. Yes, ma'am. Ok, effectivement, il... Corporal Saint John. Il a porté ses couilles, là. Il a porté ses couilles. Ah, bien ça. Bien, s'il a attendu, c'est la... Non, il a rien entendu, t'inquiète. Du coup, on va déserter, on va se retrouver là-bas. Are we ready? Colonel, sir. Yes, sir. That shit is locked and loaded. Bike's already loaded, sir. Not sure if I understand. Lieutenant Weaver's weapon is finished. We're ready to test it. Hell yeah. Are you ready to burn down a horde? Oh. Something wrong, Corporal? No, sir. No. Hell yeah. Let's get this done. All right. How you talking, man? Gentlemen. This is the start of a new era. Carry on. Lieutenant Weaver, with me. Yes, sir. Ok, allons faire cramer une putain de horde, les gars. Ah voilà, ça c'est bien ça. Allez, YouTube, à tout de suite.